l'âge de procréer des femmes comme critère d'accès à l'assistance médicale à la procréation à partir des années 2000. Donc, on a l'impression, si on s'inscrit dans ce mouvement critique, que non seulement on a mis de côté le destin maternel des femmes, on a mis à jour ce qui sous-tend en fait un certain nombre de dispositions juridiques en matière d'assistance médicale à la reproduction et qui reposerait sur une représentation effectivement de la différence des sexes, de la reproduction sexuée, et qu'on en viendrait à quelque chose qui est beaucoup plus compliqué et qui est dans le dur d'une certaine manière, c'est l'âge de procréer des femmes. Alors j'ai mis une série d'ouvrages en fait juste sur cette diapositive que je veux commenter parce qu'ils ont tous été écrits par des gens qui ont travaillé au CNRS ou qui étaient rattachés à des UMR, ce qui montre d'une certaine manière que la thématique a un ancrage assez fort. Bon, Françoise Héritier qui était au LAS, Madame Kibeller, il y a le livre dont on voit très mal la couverture, mais qui a été entre autres coordonné par la sociologue Ilana Lowy, le philosophe Ruven Ogien et l'anthropologue Henrik Porkeres-Higuené, donc qui ont tous participé hein, de ce mouvement de critique dans les différentes phases que je viens de mentionner. Alors quand on en vient à l'âge de procréer, en fait, je voudrais commencer par simplement rappeler le cadre juridique parce que pour rendre compte en fait, du développement de cette critique. Alors j'ai mis deux choses ici. D'une part, j'ai mis l'article du Code de la santé publique qui présente les conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation. Et puis un texte tout à fait différent qui est sur le site officiel de l'administration française et qui rend compte des conditions de prise en charge. Donc, le Code de santé publique mentionne différents critères, dont celui d'être en âge de procréer. Mais vous noterez qu'il ne précise pas l'âge en question et ne précise pas s'il s'agit spécifiquement de l'homme et de la femme. Il s'agit d'ailleurs des deux, tel que les choses sont formulées. Texte qui régule la prise en charge par la collectivité de l'assistance médicale à la procréation est beaucoup plus précis, puisqu'il précise qu'il y aura une prise en charge jusqu'au 43e anniversaire de la mère, pour au maximum 6 inséminations artificielles et 4 fécondations in vitro. Donc c'est vrai que moi, et d'ailleurs pas que moi, on s'est demandé pourquoi effectivement ce 43e anniversaire serait effectivement le seuil de la prise en charge, enfin en tout cas marquant une interruption de la prise en charge par la collectivité dans une société comme la France qui par ailleurs a, par comparaison avec d'autres États, de multiples mesures pour encourager la procréation. Alors, ce qui a été souligné à partir donc des années 2000, et notamment par exemple Virginie Rosé, qui est démographe à l'INE, mais pas seulement, c'est que la limite n'est pas la même d'un pays à l'autre. Donc déjà, ce que rappelait à un moment donné Thierry, il y a une variation culturelle pour ce qui est la variation culturelle dans l'organisation de l'assistance médicale à la procréation n'est pas la même d'un pays à l'autre. Ensuite, autre remarque qui a été faite et qui a effectivement été le lieu d'une critique sur les inégalités de genre, le seuil n'est posé qu'en fonction de l'âge des femmes. Et enfin, on pourrait avoir recours à des techniques, mais on n'y a pas, qui aggravent les inégalités en matière d'assistance médicale à la procréation. Ce qui conduit effectivement à Virginie Rosé à déclarer que cet âge de procréer, dont on pourrait penser effectivement qu'il correspond à une réalité naturelle hein, et inscrite dans le corps, est certes biologique, mais également sociale. Alors, d'une certaine manière, effectivement, m'inscrire dans cette perspective, je trouvais qu'il fallait aller enquêter sur les éléments de connaissance qui permettaient d'établir ce seuil à 43 ans. C'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce qu'on veut dire quand l'âge est certes biologique, mais également social, comment les choses se passent exactement? Et bien, en fait, la réponse, elle n'est pas très simple, et je ne suis même pas sûre encore de l'avoir vraiment posée, puisque je me suis rapportée aux différents éléments qui étudie d'une part la fécondité, d'autre part la fertilité féminine et qui permettrait d'étayer cet âge des 43 ans. Quand on se penche sur les chiffres établis par l'INED relatifs à la fécondité, on voit que ce n'est pas ça qui a pu pousser à ce seuil des 43 ans. Alors est-ce que du coup ce sont les études relatives à la fertilité féminine qui permettent d'établir le seuil des 43 ans?
Peut-être, il y a un certain nombre d'éléments, mais ce qui est certain, c'est qu'il ne figure pas dans les données sur les parcours d'assistance médicale à la procréation recueillis chaque année par l'Agence de la biomédecine en France, puisqu'on a une description des taux de succès par technique, mais pas par âge, en fait. Donc, il n'y a pas de chiffre qui permettrait, effectivement, de cibler ces 43 ans. Il y a des éléments, en revanche, dans les données européennes, mais toute une variété, effectivement, de critères possibles. Est-ce que c'est la réserve ovocytaire qui est en question? Est-ce que c'est l'augmentation de risque de fausse couche? L'augmentation des complications passé un certain âge? Est-ce que c'est le taux de succès des parcours d'AMP? Bref, ce que je voudrais mettre en avant dans cette diapositive, c'est qu'on a un certain nombre d'éléments de connaissances qui, je dirais, de façon convergente, comme en faisceau, orientent effectivement l'attention vers ce seuil des 43 ans, mais sans non plus l'établir de façon stricte. Et au total, effectivement, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a joué dans la décision. Alors, ça m'amènera au dernier point que je veux faire, et qui, finalement, d'ailleurs, va un petit peu dans le sens du dernier point développé par Thierry Hoquet. Ce qui me semble important ici de voir, quand on évoque une éventuelle tension entre le biologique et le social, c'est de s'intéresser à la forme de connaissance à travers laquelle, en fait, on va fonder une organisation juridique et la détermination de ce qui est pris en charge par la collectivité ou non. Et je voudrais souligner ici qu'en l'occurrence, c'est un choix qui ne va pas du tout de soi, puisqu'on voit que ce qui a pu éventuellement fonder dans tout ce que je vous ai énoncé ici, c'est une série de connaissances statistiques et qui va clairement au détriment de la décision au cas par cas, qui est parfois adoptée comme cadre juridique des décisions médicales dans le Code de santé publique pour d'autres domaines de la médecine. Non pas que les médecins, évidemment, ne se basent pas sur des éléments liés à la médecine de la preuve, des connaissances, mais enfin, après, ils peuvent réinsérer cette médecine de la preuve et ces éléments chiffrés dans une réflexion sur la situation singulière de la personne. Et comme je le disais, c'est effectivement ce type de décision médicale qui est privilégié par le Code de la santé publique dans d'autres domaines, mais clairement pas dans celui-ci. Pour finir, donc, je voudrais citer un collègue juriste qui est dans une UMR à Nantes, Encinas de Munagori, qui souligne qu'on a ici affaire à un cas, parmi tant d'autres, de recours aux statistiques dans la gestion juridique du social, et qu'il me semble effectivement aujourd'hui, si on s'intéresse à la manière d'intégrer le sexe et le genre dans les recherches interdisciplinaires, qu'il est peut-être important tant de passer de la tension dite entre le biologique et le social à une critique des usages sociopolitiques de la biologie, parce qu'à mon sens, c'est peut-être moins aujourd'hui, en tout cas à partir du cas que j'ai présenté, la biologie ou le savoir, la biologie qui est en question, que ce qu'on en fait et la manière dont on l'utilise pour fonder un certain nombre de cadres juridiques et de dispositions de remboursement par la sécurité sociale. Voilà, merci. Merci beaucoup, Marie. Donc, nous allons passer à la seconde partie, la partie discussion. Pour ça, je vais inviter Joël et Émilie à rejoindre peut-être le panel. Et pour revenir à la discussion, j'ai une première question pour Evelyne Père, une question que j'ai évoquée dans mon introduction. Finalement, est-ce que ce sont les différences morphologiques qui sont liées au mode de vie que vous évoquez, que vous avez utilisé pour caractériser les squelettes hommes-femmes? Excusez-moi, mais comme je suis très heureuse, je ne comprends pas bien. Est-ce que ce sont finalement ces différences morphologiques liées au mode de vie que vous évoquez dans votre exposé et que vous utilisez pour caractériser les squelettes masculins et féminins qui sont à l'origine de ce qu'on appelle sexe fort ou sexe faible, ou est-ce que c'est un processus qui est beaucoup plus complexe que cela? Je vais pour vous répondre, j'ai des diapositives peut-être qui m'éviteraient de faire un long discours de description dans le vide. Donc voilà la situation donc historique. Pourquoi vous pensez que les femmes ont un bassin plus large que les hommes? Tout le monde le pense, sauf quelques-uns initiés, entre autres. Donc je vais vous présenter une des manières de le penser. Voilà. Donc en 1759, il n'y a pas si longtemps, avant, il y avait le corps humain. Et puis à partir de cette date, eh bien il y a
une dessinatrice française, on va dire, Marie Thiroux d'Arconville, qui va représenter pour la première fois deux squelettes. Avant, il y avait un squelette, et tout d'un coup, il y en a deux. C'est à ce moment-là que la notion de nature féminine s'impose, et où donc le sexe envahit tout le corps. Alors, la diapositive suivante, c'est comment ? Voilà ce que je vais vous commenter. Vous regardez bien ces deux squelettes. Donc, celui de droite, c'est le squelette. Avant, c'était le squelette humain. Maintenant, c'est le squelette de l'homme. Et puis, il y en a un nouveau qui est le squelette de la femme là-bas, de Marie Thiroux d'Arconville. Donc, vous le regardez bien. Et là, vous voyez très évidemment que le bassin de la femme est beaucoup plus large. Oui ? Que la femme a un grand bassin très large. Est-ce que vous voyez ça ? Vous ne voyez pas qu'elle a un bassin très large? Bon, j'ai embêté là. Alors, le bassin, la taille du bassin, c'est quand vous mettez vos doigts là et vous sentez du dur, on a la largeur. Ah, là, hein. D'accord. Bon, alors je vous montre ce dessin, comment il a été construit en comparaison. Donc voilà, d'abord la stature. La stature ici diffère de 20 cm. Dans la réalité, aujourd'hui, c'est moins de 10 cm entre les moyennes hommes-femmes. Donc, exagération sur la petitesse des femmes. Ensuite, donc, petite tête pour les femmes, grosse tête pour les hommes. Je ne reviendrai pas tout de suite dessus. Et alors, voilà l'histoire du thorax. Donc, on est en plein milieu du XVIIIe siècle. Les femmes aristocrates portent des corsets, ce qui explique donc le thorax de l'homme en bleu. Et reporté sur le thorax de la femme en rose, vous voyez qu'il y a une large différence qui n'est pas du tout due à des différences biologiques, mais absolument culturelles, socioculturelles, au bord du corset. Et c'est par rapport à cette taille d'un thorax rétréci que le bassin apparaît très large. Et que c'est ensuite répandu l'idée, et jusqu'à présent, que le bassin des femmes est plus large que celui des hommes. Voilà, parce que si on regarde bien par rapport à la largeur du thorax, on a le bassin de la largeur de son thorax. Comment la chose s'est passée un demi-siècle plus tard à peine? On est en 29, et c'est en Angleterre, enfin John Barclay. Il va donc prendre un squelette d'homme. Le voici. Vous voyez qu'il y a ajouté deux éléments. Un animal vu de face, en squelette toujours, vu de face, c'est-à-dire c'est un cheval, hein, le symbole de la force, et de face, le poitrail, l'autorité. Et à sa droite, en bas, vous voyez un peu de verdure et un manoir. Et donc, c'est la vie en société. Donc, l'homme, quand on lit l'affiche de manière allégorique, comme ça, on voit ça. Quant à la femme, il reprend la femme de Marie Thiroux d'Arconville, mais il lui met sous son bras droit un animal de profil, et c'est une autruche. L'autruche et le cheval, on voit bien la différence. On la met de profil pour marquer son grand bassin, et qu'elle pond des yeux, évidemment, et une toute petite tête. Et puis, à sa gauche, cette fois-ci, le massif arboré, le manoir a disparu. Voilà, c'est le côté que de la femme qui n'est pas un être social. Donc, je voulais juste vous montrer là, cette image-là pour vous montrer d'où nous vient ces idées que le bassin de la femme est plus large que celui de l'homme. Alors ça, je ne vais pas vous le montrer, Thierry vous en a parlé tout à l'heure. Je voulais vous montrer cette image-là pour que vous compreniez bien en quoi il n'y a aucun rapport entre le fait que les femmes, certaines, sont susceptibles d'accoucher et la taille du bassin. Alors, voici le fœtus. C'est une image prise au moment d'une femme qui accouche. Hein. Donc, vous voyez la tête. Il y a un pointeur quelque part? Oui, c'est le bouton rouge. C'est celui-là. Donc, ça, c'est la tête du fœtus, hein, son bras, sa jambe, enfin, il y en a deux, hein, et son thorax ici. Voilà. Donc, il est en train de passer. Il va naître. Donc, je vous remonte l'ensemble sans mes surlignages. En bleu, voici la largeur du bassin. Vous avez bien repéré où était la tête de l'enfant. Vous voyez qu'il n'y a aucun lien avec la largeur du bassin. L'accouchement
le problème qui s'est posé au cours des, qu'on évoque au cours des évolutions humaines, c'est-à-dire que c'est cette partie-là du bassin qui est importante, qu'on ne voit pas du tout, qui ne correspond pas du tout aux hanches, etc., qui va être importante pour le passage de la tête du fœtus, et pour répondre à la question qu'on évoquait tout à l'heure, au cours de l'évolution depuis les premiers hommes, on pense qu'on est passé de 24 mois de gestation à 9, et que c'est le fœtus qui a trinqué, avec, donc il naît très prématuré dans l'espèce humaine. Enfin, c'était pas mon débat sur cette image, mais je la trouve tellement parlante, j'espère que vous comprendrez que je ne dirai plus que les hanches des femmes sont larges à cause de l'accouchement. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer, je crois, là-dessus, sur cette question. Merci, Evelyne. J'avais aussi une question pour Thierry, finalement. Est-ce que et comment le philosophe peut aider à régler les dissensus que vous avez mis en évidence, sexe, genre, biologie, sciences humaines, etc. Est-ce que le philosophe peut être d'une aide pour régler ce problème ? Je pense qu'en tant que philosophe, on n'a pas d'expertise positive. Donc, la seule chose qui me semble importante de faire, c'est d'abord peut-être de situer le débat au niveau des concepts, clarifier les choses. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire en analysant le concept de sexe, c'est-à-dire quand un tel dit il y a deux sexes, une telle dit qu'il y a cinq sexes, ou on lit des articles de scientifiques qui disent il y a N sexes, essayer de voir que en fait il y a une confusion au niveau du concept mobilisé. C'est pas du même sexe dont on parle, on ne situe pas au même niveau, donc une partie de la confusion naît d'une obscurité sur le concept, ça c'est un premier point. Et ensuite, ce que je crois très important de faire, c'est de permettre la double culture, c'est-à-dire de permettre la circulation entre des corpus qui sinon s'ignorent, c'est-à-dire faire la défense des études sur le genre auprès des biologistes et faire la défense du réalisme auprès des études sur le genre, c'est-à-dire essayer de voir permettre aux deux cultures de ne pas s'ignorer et de communiquer. C'est comme ça que je verrais la contribution de la philosophie à défaut d'une contribution positive. Merci. Et pour Marie, finalement, dans le champ de la reproduction humaine, de la fertilité que tu évoquais, comment faire en sorte de concilier effectivement ces différences natures biologiques et en même temps retourner à une symétrie de traitement finalement entre hommes et femmes? Ça, c'est les questions difficiles. Bon. Déjà, la question de la symétrie... viser la symétrie, je pense que c'est une pas bonne manière de poser les choses, au sens où on peut effectivement, dans le domaine de la reproduction, avoir recours à un certain nombre de techniques qui ne sont pas nécessairement aujourd'hui intégrées au cadre légal, qui peuvent compenser, entre guillemets, ne serait-ce que pour la question de la différence d'âge, le fait que la fertilité féminine, la chance d'avoir un enfant sans malformation, d'aller jusqu'au bout de la grossesse, etc., soit moindre pour les femmes que pour les hommes. Voilà. Donc on pourrait jouer sur les techniques, ce serait un premier point, en changeant le cadre légal. Ensuite, moi, c'est vrai que j'insiste beaucoup, alors je suis totalement en phase effectivement avec le discours de Thierry, c'est-à-dire que il faut aller vers la biologie tout en ayant conscience, enfin reconnaître effectivement un certain nombre d'éléments. Il ne s'agit pas de nier l'apport en connaissance de toutes ces statistiques qui nous disent attention, à partir d'un certain âge, les choses vont moins bien se passer, etc. Mais moi, je suis très attachée effectivement au fait que la plupart des équipes médicales et des médecins raisonnent encore une fois au cas par cas, et je pense qu'il y a dans ce cas par cas un espace de travail qui est important et qui pourrait être privilégié, je dirais, par l'organisation socio-juridique qui est la nôtre. Voilà, sans nécessairement viser la symétrie. Merci Marie. Je suppose qu'il y a des questions dans la salle pour nos panélistes et nos conférenciers. C'est plus un commentaire. Moi, physicienne, c'est ce que je comprends, c'est ce que vous dites, c'est que, en fait, il ne faut pas de cadre rigide. Ça, dans tout ce que vous avez dit, que ce soit la variabilité des populations, la discussion entre sexe et genre, c'est qu'il faut qu'on se laisse
ce que nous on appelle l'incertitude, la barre d'erreur en physique sur la statistique, c'est l'incertitude de la mesure, et il ne faut pas en faire un cadre rigide dans tous les cas. C'est bien ce qui résume vos trois interventions, non ? C'est comme ça que je le comprends. On ne peut pas faire un modèle absolu pour presque rien. En fait, il s'agit de... C'est pour ça que l'intervention aussi de Marie est intéressante, parce qu'elle resserrait sur le médical et sur l'humain. Mais s'agissant de vie humaine, de personnes humaines, on est obligé d'avoir une interprétation différente, c'est-à-dire effectivement la question du normal et du pathologique elle peut se poser, en tout cas la question de la pathologie peut se poser, mais c'est différent si on prend un point de vue sur l'ensemble du vivant, etc. C'est-à-dire la question qui se pose dans l'espèce humaine, c'est pourquoi diviniser ou essentialiser quelque chose comme la différence des sexes alors qu'il existe une variabilité. On ne peut pas écraser la variabilité sur une idée, en fait. Ah, pardon. Oui, bonjour, je m'appelle Aude Bernem, je suis biologiste, et j'aurais une question plutôt pour la première conférencière. Vous avez mentionné des outils pour essayer d'intégrer, la dimension du sexe et du genre pour bien essayer de l'utiliser dans des recherches. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de plus, enfin sur les outils vous avez mentionné Sagère, je crois, et ce genre de choses, sur ce qui existe. Et à votre avis, est-ce que c'est des choses qui sont aujourd'hui répandues dans de nombreuses équipes de recherche? Vous avez mentionné plutôt des choses qui avait l'air difficile et anecdotique, et je voudrais en savoir un peu plus sur les efforts qui sont faits en épidémiologie, et peut-être si vous avez des informations sur d'autres disciplines là-dessus. Merci. Oui, alors merci pour votre question. Ça va me donner l'occasion de revenir sur la notion de checklist, parce que dans une discussion au café, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément très clair ce que je voulais dire par là. C'est vrai que en épidémiologie, on a l'habitude de fonctionner pas mal avec des outils de recommandations de bonnes pratiques, on va dire, qui se traduisent parfois par des listes d'items qu'on nous suggère de passer en revue. Alors quand je dis nous, ça va de la formation à la discipline, à l'université, après aux pratiques d'écriture des rapports de recherche ou de montage des projets. Donc on a des listes un peu d'items par lesquels on nous suggère fortement de passer pour décrire notre raisonnement, nos objectifs, les méthodologies qu'on va mettre en œuvre, aussi bien dans le recueil d'informations que dans l'analyse et l'interprétation. Et donc ça a pu faire l'objet, alors je ne peux pas vous dater parce que je n'ai pas fait des études là-dessus, mais quand j'y pense et quand j'essaie de me rappeler des premières guidelines que j'ai vues de bonnes pratiques pour rendre compte des résultats de la recherche en épidémiologie, je dirais que ça remonte à 20 ans à peu près, mais il faudrait que je fasse un petit tour de la question. Donc on a eu toute une série comme ça de guidelines et de checklists, donc de listes avec des items où on est censé pas forcément tout cocher, mais bien vérifier qu'on a bien passé tout ça en revue, quoi. Qui se sont développés pour aussi bien, alors de manière différenciée en fonction des types d'études qu'on conduit, essais cliniques randomisés, cohortes en population, études cas témoins, revues systématiques, enfin voilà, on a tout un tas d'outils comme ça qui ont été développés. Et donc récemment, donc en 2016 ou 2017, il y a cette checklist qui est issue de l'initiative Sagère, qui est plutôt visiblement qui a été lancée par des éditrices scientifiques qui ont essayé d'enrôler d'autres collègues pour établir ces outils pour mettre en visibilité ces dimensions de genre qui étaient peu traitées et les articuler avec les questions de sexe à travers donc un outil pratique. Donc ce que dans cette checklist qui est assez courte en fait, il s'agit de passer en revue aux différentes étapes de la conduite de l'enquête, de la planification et de la conduite de l'enquête, le fait qu'un certain nombre de questions que les chercheurs se soient posés un certain nombre de questions sur l'inclusion des femmes, est-ce que c'est justifié, et des hommes, est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est pas justifié, est-ce qu'il y a des raisons particulières de penser qu'il pourrait y avoir des différences, qu'elles pourraient être éclairantes pour les questions de recherche qui sont posées, etc. Donc voilà, ça balaye un petit peu les différentes étapes. Ce que je voulais dire en conclusion de mon propos tout à l'heure, c'était que je pense que ça peut être des outils utiles pour
pour dialoguer avec les collègues de la discipline et les amener à réfléchir à... Enfin, nous amener à réfléchir à nos pratiques et à comment on peut essayer de les améliorer. Par contre, un danger, c'est de penser d'une part qu'il suffit d'avoir coché toutes les cases pour qu'on ait fait du bon travail du point de vue de la question du genre, et puis de finir par traiter ça comme une variable de plus dans un modèle, quoi. Enfin, et donc finalement, on évacue la question de départ, qui est la question des inégalités, des rapports sociaux. Enfin, on en vient à finalement pas répondre à la... Enfin, à pas traiter en tant que telle la problématique telle qu'elle a été posée dans les autres disciplines, à se l'approprier d'une certaine manière, ou en tout cas en donner les signes extérieurs, mais sans réelle incorporation, intégration de ces problématiques dans la recherche. Enfin, ça peut être un danger. Il faudrait voir après à l'usage. J'ai pas de cas concret à vous présenter là. C'est une impression générale. Après, savoir si c'est utilisé, je peux pas vous dire. Honnêtement, je pense que c'est des initiatives louables. Je sais pas si on a du recul sur leur utilisation. Il y a eu une revue. Alors, je parlais d'une une recension de cas un peu exemplaires qui a été faite. Qui s'est inspiré de cette checklist pour analyser des papiers qui ont été publiés dans un journal assez renommé en épidémiologie qui s'appelle le Journal of Epidemiology and Community Health. Donc ils ont fait une recension d'articles à partir de là, ils ont appliqué un petit peu cette grille de lecture et ils ont choisi des études qui leur semblaient particulièrement vertueuses du point de vue de l'articulation problématique de genre et de sexe. Mais voilà, au-delà de ça, mon impression, c'est que voilà, c'est il y a un moment, il y a une attention qui est attirée là-dessus dans la communauté. Après, si je reviens aux checklists, leur effectivité, leur durée de vie me semble assez variable. Et puis, de toute façon, ça reste finalement, c'est une façon d'imposer des normes de manière douce, on va dire, puisqu'on n'est pas obligé de se conformer aux checklists pour pouvoir publier. De manière formelle, n'empêche que si on s'écarte un petit peu trop de la norme qui est dictée, ça peut avoir des conséquences quand même dans l'accès à la publication, donc reste à voir si ce type de démarche par rapport aux questions spécifiques de genre apporte quelque chose de positif dans les pratiques. Bonjour, j'aurais deux questions. J'étais vraiment très intéressée par la manière dont l'intervention de Déblyne Père et celle de Marie Gaï se répondait en quelque sorte, et je pense que la question de la critique des usages sociaux du biologique est fondamentale, mais il me semblait que dans l'écho que se faisaient vos deux topos, il y avait aussi une question qui se posait, qui était l'imaginaire qu'on pouvait avoir de ce qu'est une bonne femme ou une bonne mère, et je pensais notamment à un point que Marie a évoqué mais n'a pas développé, qui est la question de la vitrification ovocytaire, où en quelque sorte les ovocytes auraient un âge différent de l'âge de la mère au moment où on entamerait le processus de PMA. Et je me demandais dans ces cas-là s'il n'y avait pas aussi quelque chose qui ressortait de vos deux topos, qui était la question de l'image de la femme comme réceptacle, et uniquement du coup comme réceptacle, puisqu'en posant l'âge à 43 ans, c'est aussi cette question du réceptacle convenable qui se pose de la même manière qu'on le voyait dans les images qui étaient montrées. Et j'avais une deuxième question pour Thierry Hoquet qui était sur la question de la neutralisation du sexe, et j'aurais bien aimé avoir un petit peu de développement là-dessus si c'était possible. J'ai l'impression que ça a été un peu coupé court et je suis un peu restée sur ma faim. Oui. Bon. Moi, je vais répondre sur la question du réceptacle parce que c'est vraiment, vous avez vu d'emblée, hein, j'ai pas, parce que là, c'est un tout petit bout là, d'un point de vue historique, je voulais juste vous montrer quelques images, mais il y a des traités d'anatomie ou de médecine à côté, et Jean-Joseph Viret, un des très grands médecins français du début du 19e, il l'écrit tel quel, que la femme est un réceptacle. Il dit l'homme a une grosse tête, donc il fait des affirmations comme ça, et il dit parce que socialement, il doit être le chef de la famille. Enfin, je vous le cite de mémoire, c'est-à-dire... Mais parce qu'il, en plus, c'est déterministe, hein, parce qu'il va devenir le chef de la famille, c'est normal qu'il y a recette. Et la femme, on lui a donné un bassin large, donc il reconduit une erreur et il dit parce qu'elle devait recevoir accoucher, quoi. Voilà. Porter l'enfant et accoucher. Il le dit. Hein. Et Jean-Joseph Viret, bon, c'est un aussi parmi tant d'autres, mais c'est vraiment un très important. Donc moi, c'était pour le début du 19e maintenant.
Merci pour ta question, Vanessa, ce qui m'amène d'une certaine manière à revenir à celle de Jean-Louis par un autre biais. Alors, j'ai délibérément pas abordé ce point parce que je voulais mettre l'accent sur le code de santé publique et son pendant sur la prise en charge par la collectivité. Je voulais pas aller au-delà aujourd'hui, mais évidemment. Si on voulait répondre vraiment à la question de Jean-Louis et à la tienne, je pense qu'il faudrait après plus largement réinscrire ce dispositif socio-juridique dans un complexe multifactoriel, je dirais, où rentrent en compte des représentations de ce qu'est la maternité. Ça me semble totalement évident et je le dis d'autant plus volontiers que la plupart d'ailleurs des études qui sont, on va dire, socio-constructivistes ou fondées sur des approches de genre, mettent en avant le primat, y compris dans la société française, donc de cette représentation de la maternité comme gestationnelle et à minima génétique. L'adoption est la plupart du temps vécue comme un pis-aller, etc. Donc ça joue un rôle, à mon avis, tout à fait fondamental. Et je rajouterai aussi un autre élément qui est qu'effectivement, mais pour le sujet précis de la médecine de la reproduction, on a affaire à un cadrage juridique qui renvoie à une infertilité médicalement constatée. Donc ça aussi, c'est un autre élément qui conforte, hein, d'une certaine manière, tout cet appareil. Donc il faudrait, comme tu le suggérais à travers le cas de la vitrification ovocytaire et de tout ce que ça ouvre, en fait, hein, comme réflexion, compléter, bien sûr, mon propos qui ne se voulait centrer que sur ce point juridique. Donc sur un tout autre sujet, la neutralisation, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, je pense qu'il y a eu une évolution du droit au fil, on va dire, du dernier siècle au moins, qui s'achemine vers un traitement décorrélé entre le statut juridique des personnes et leur sexe. C'est-à-dire l'ensemble des droits et devoirs associés à la personne en tant que sexuée ont tendu à être uniformisés. Et par exemple, il n'y a plus aujourd'hui les droits du père et les droits de la mère, il y a les droits des parents, voilà. Donc le fait que les citoyens, les sujets juridiques, dans un nombre croissant de situations, ont des droits, des devoirs qui sont décorrélés de leur sexe. Donc il y a eu ce qu'on pourrait appeler une neutralisation du droit ou du sujet juridique qui fait que, finalement, le fait d'être un homme ou une femme n'a plus que très très peu d'incidence en fait dans la vie juridique des personnes. Évidemment, concrètement, on voit la manière dont les tribunaux réagissent réintroduit du genre, c'est-à-dire selon votre sexe, vous allez être condamné plus sévèrement ou moins sévèrement à telle peine. Enfin, donc il y a des effets sociaux du genre, hein, mais c'est pas inscrit dans le droit. Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir un compte en banque, quel que soit votre sexe, sans demander l'autorisation de votre conjoint. Et même, vous pouvez vous marier avec un autre individu tant que vous n'êtes pas affilié, enfin, qu'il n'y a pas de rapport de filiation trop étroit entre vous. Vous pouvez vous marier ensemble, quel que soit votre sexe. Donc, il y a cette neutralisation qui s'opère de droite, ce qui bien que on peut se demander ce sur quoi concluait Joël, c'est-à-dire le fait qu'il y ait aujourd'hui seulement masculin, féminin, que ça soit inscrit dans l'état civil et que ça doive jouer un rôle dans la vie des individus. On peut se demander quel est ce rôle que ça joue en fait. Alors, une des réponses qu'on peut apporter, c'est que ça sert notamment à mesurer les inégalités, ça sert à mesurer les asymétries, et c'est sans doute très, très important, sauf que ça pourrait être tout à fait à partir de déclaratifs. Pour moi, il me semble qu'au contraire, l'essentialisation de la différence des sexes jusque dans l'état civil, elle contribue à créer de fait, à souligner socialement une différence biologique, à créer un carcan, un cadre qui, de fait, écrase les individus dans leur diversité. Et donc, voilà, à quoi sert le maintien de ce binarisme dans l'état civil ? La question, l'exemple que je vais prendre, c'est la question de l'éducation, en fait.
Quand je dis je suis en faveur d'une neutralisation du sexe à l'état civil, ou pour le dire autrement, de l'effacement des sexes à l'état civil, ça suscite beaucoup de craintes ou de peurs, parce qu'on se demande quel est le projet qu'il y a derrière. Donc la question que je pose en retour, c'est: êtes-vous pour la coéducation? Êtes-vous pour l'éducation mixte, comme on dit? Ou êtes-vous pour une éducation séparée des garçons et des filles? Et en général, les gens me répondent, ben moi je suis pour l'éducation mixte, je pense que c'est très important. Eh bien alors on est d'accord en fait, c'est-à-dire l'éducation mixte, elle veut dire on va éduquer tous les enfants pareil. On s'en fiche du fait que ça soit des garçons ou des filles, et c'est très important pour la manière dont leur avenir se construit. Quand la parité intervient, plus tard, c'est très important, mais les individus sont déjà fossilisés dans leur genre, en fait, en quelque sorte. Donc c'est ça la question. Donc neutralisation versus parité. La parité, c'est important dans un monde asymétrique, mais si on éduquait les enfants de la même manière, après tout, moi je m'en fiche qu'il y ait 50% et 50% de chaque sexe dans chaque profession, c'est pas ça ma question. Du moment que les individus s'épanouissent selon leur tempérament, on va dire. Juste, je voudrais juste rajouter un petit quelque chose par rapport à ça. Quand tu fais le parallèle, enfin quand tu dis voilà, on a neutralisé le genre parce qu'on peut, ou le sexe, parce qu'on peut épouser quelqu'un qui est officiellement de son même sexe, je pense que c'est pas tout à fait la même. Là, tu restes d'une certaine façon, tu restes dans un contexte binaire. C'est-à-dire, ce que dit la Cour de cassation dans l'exemple que j'ai montré, c'est: il n'y a pas de place pour autre chose que du binaire. C'est-à-dire, après, tu peux faire ce que tu veux dans tes catégories binaires. Tu peux épouser, pas ton frère, pas ta sœur, etc. Après, il y a des règles. Mais tu peux épouser un homme si tu es un homme, une femme si tu es une femme, et tu restes dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que je pense que le subversif, il est effectivement dans ce que tu dis aussi. C'est-à-dire, il faut peut-être que ces catégories-là n'ont plus de sens, mais elles en ont toujours pour les juristes. Elles en ont toujours. Ils sont améliorés, ils veulent bien que tu épouses un... Si tu es un homme, ils veulent bien que tu épouses un homme. Moi, si je suis une femme, ils veulent bien que j'épouse une femme. Mais pas au point de carrément effacer ou de gommer cette notion de... Voilà, la Cour de cassation, elle le dit très bien. C'est social, ça fonde la société. Oui, mais en fait, ça fonde quoi, justement? Ça fonde quels usages? Parce que ça fonde plus le service militaire, enfin la conscription, ça fonde plus le droit de vote, ça fonde plus... Il y a tout... Ça fonde plus le cas. Donc, voilà. Et je pense que l'article de loi sur le mariage, je ne l'ai plus en tête, mais la manière dont il a été réécrit, le mariage, ce n'est pas l'union entre un homme et une femme, c'est une union entre deux individus. Donc, on voit bien que... Oui, deux individus, mais après, tu mets qui tu veux sous la notion d'individu. Après, si tu veux que le mariage se passe entre plus de deux individus, c'est une autre question, d'accord? Mais il n'y a pas de propre à jeter sur le fait qu'il y ait le deux du mariage. Non. Voilà. Après, c'est sur le sexe des individus que la question est ouverte. Mais d'une certaine façon, tu maintiens aussi des inégalités, quand même. Je veux dire, avec... tu vois. Lesquelles? Pas dans le mariage pour tous, mais avec le deux, tu maintiens... Avec le 2, ce que je voulais juste souligner, c'est qu'il y a des niveaux, tu vois. Il y a le fait d'être dans la... Tu maintiens la binarité dans le mariage pour tous, à mon avis, hein, malgré tout, mais tu ne neutralises pas totalement le sexe, il me semble. Mais en fait, si tu mets derrière toute forme de 2 une représentation mythique... de l'homme et la femme, alors oui, le 2 est pour toujours contaminé, et effectivement le fait qu'on ait, par exemple, dans les juristes, ce soit chose, mais de fait, le fait qu'on ait deux mains, une gauche et une droite, ou deux côtés, c'est quelque chose qui a été associé. Voilà, il y a un côté qui est moins bon que l'autre. Voilà, si vous êtes gaucher, pas de chance. Voilà, c'est mon cas, hein, c'est pour ça que je peux le dire. Voilà, donc mais voilà, bon, après le 2, le 2 de la reproduction sexuée, il est là aussi. Oui, donc non, il est... Alors on peut dire que ce 2 de la reproduction sexuée est injuste et inégalitaire, mais après tout, il est là. Voilà. Donc, moi, mon idée, c'est de dire, si l'espèce humaine s'élevait dans un ensemble d'institutions et d'usages sociaux au statut de traiter les gens comme des individus humains avant de les traiter comme des individus sexués, il y aurait un progrès, je pense. Mais... On me dit qu'on risque d'être un petit peu pris par le temps, donc il y a encore des questions dans la salle. Je propose d'avoir des réponses peut-être qui sont très intéressantes, mais un peu plus concises, pour qu'on puisse prendre les questions qui restent. Merci. Oui, c'est un petit peu la continuation de ce que vous avez dit. C'est vrai que
le sexe n'est absolument pas neutralisé dans la vie réelle et notamment dans la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'on a beau avoir un discours politiquement correct qui a changé, on reconnaît le biologique, on reconnaît tout ce qui a trait à la reproduction sexuée, etc. Mais on dit naïvement les aptitudes, les compétences n'ont pas de sexe et pourtant elles ont un sexe dans la vie professionnelle avec un développement du sexisme incroyable. Et donc je crois que le droit, c'est effectivement un atout pour essayer de faire en sorte que le sexe soit une variable comme les autres. Mais ma question était la suivante. Est-ce que la science, est-ce que la biologie, donc qui est sexuée, est-ce que la science peut aider à dégenrer le social? C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas d'autres expériences à faire, d'autres recherches, par exemple une analyse systématique des caryotypes pour montrer je ne sais quoi? Est-ce qu'on ne peut pas être aidé par la science aujourd'hui pour dire que, eh bien, cette binarité genrée qui est absolument partout, hein, dont on ne se sort pas, et c'est quelque chose qui est en fait totalement exagéré et que le sexe est une variable parmi d'autres. Aujourd'hui, le sexe fonde notre société, elle le fonde véritablement malgré tous les discours que l'on a autour. Qu'est-ce qui pourrait faire pour que la science nous aide à faire en sorte que ce soit une variable parmi d'autres? Moi, je veux bien dire deux mots là-dessus en reprenant d'ailleurs ce que dit Thierry, hein, qu'il y a le sexe biologique fait par étudié par des biologistes, mais son sexe mythique, il me plaît bien là, c'est-à-dire ce qui fonctionne de partout quand on dit je suis une femme ou je suis un homme, deux sexes féminins, sexe masculin, c'est complètement, j'ai essayé de vous le montrer sur des images, je veux dire, bon, tout à l'heure vous m'avez dit non, le bassin de la femme à droite, je ne le vois pas plus large, enfin, je veux dire, mon expérience fait que la plupart des gens, ils voient bien que c'est voilà, et ça, tu as dit ça mythique, et ça me plaît assez, voilà. À toi. Moi, je ne donnerais pas les clés de la maison de l'égalité aux biologistes, en fait. Parce que si demain, des cognitivistes, quelconque, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais montrent que les aptitudes à connaître, les processus cognitifs sont différents chez les garçons et chez les filles, hop, c'en est fini de la coéducation et de l'idée qu'on est tous des êtres humains, vous voyez. Enfin, donc, on peut aller dans cette voie-là. Comme pour le cerveau. Oui, oui. Donc, on peut aller là-dedans, hein. Moi, mon ressenti avec un peu de profondeur historique, c'est que ça a toujours été, plus on a biologisé, plus on est allé dans le sens d'une essentialisation des différences. Et donc pour moi, je me méfie un peu. Voilà. Je sens que je vous frustre un petit peu. Je vous propose de continuer à échanger pendant le repas. Juste avant... donc le repas qui sera juste à côté sur au même endroit que la pause café, juste une mini très courte précision pour prolonger l'échange sur les checklists. Donc à la mission pour la place des femmes au CNRS, moi je suis pas chercheur, hein, mais on a la chance d'être en position d'observation de manière intéressante et d'avoir connaissance d'initiatives qui vont dans le sens de ces checklists, en biologie notamment un projet ancien dans lequel la mission, la Commission européenne ont été engagées, qui continue, qui s'appelle Gendered Innovations, que la Fondation L'Oréal connaît bien, dans lequel il y a vraiment des études de cas, des exemples, dans le cadre du projet coordonné par nous aussi au CNRS, qui s'appelle GenderNet. Il y a un document qui sont des guides pour la prise en compte de la dimension de sexe et de genre dans la construction d'une recherche, notamment en biologie. Je pense aussi à des exemples de checklists très bien faites du CIHR, qui est la Fédération des centres de recherche en santé du Canada. Il me semble qu'il y a l'équivalent au NIH américain, mais vu leur organisation très structurée sur le sujet. Et un dernier document plus récent, fait par un institut norvégien qui s'appelle Hilden, K-I-L-D-E-N. Je vous rassure, le document est en anglais. Enfin, je ne sais pas si ça vous rassure d'ailleurs. Mais c'est aussi dans la même logique que le document dont je vous parlais de GenderNet, un document sur la prise en compte de la dimension de sexe et de genre dans la recherche, notamment en biologie. Voilà, donc on commence à avoir des outils.